Comment as-tu rencontré Ouston? J'ai pas rencontré Ouston, c'était une blague. J'ai pas rencontré Ouston, mais je l'ai rencontré quand même. Parce que, en fait, quand j'ai me suis dit je vais faire d'hypnose, donc j'ai regardé les écoles d'hypnose, etc. Je me dis, ok, bon, c'est pas mal tout ce qu'ils promettent, mais ça, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du un peu marketing qui me plaisait pas. Et donc j'ai cherché, et je me disais Roustan. Et c'est Roustan qui m'a. Qui à chaque fois je retrouvais chez lui l'énergie dont j'avais besoin pour me dire, allez, je vais jusqu'au bout du truc. Et du coup, c'est comme ça, je me suis formé à l'hypnose ericksonienne. Mais au final, il y avait toujours quelque chose, je m'interrogeais, mais il y a quelque chose qui manque. Et j'allais toujours chercher la réponse chez François Roustan, sans savoir trop comment l'appliquer, en fait. Au départ. Mais c'était à la fois une source d'inspiration, une source d'énergie, et aussi le sentiment en lisant que ça me mettait dans un état qui était particulier. Et je me dis, c'est ça qu'il faut que je trouve avec mes clients. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, et c'est après, quand j'ai continué à chercher, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui aille un petit peu dans cette direction-là. Et que j'ai téléphoné à Bernard, et puis qu'il m'a accueilli, les bras ouverts. C'était très sympathique. Et c'est par là. Et c'est toujours un chemin qui se continue, en fait. De se dire, bah, voilà, j'approche quelque chose, mais j'ai l'impression de le sentir de mieux en mieux, avec toute la difficulté. C'est Roustan, et puis chenu, c'est chenu, quoi. Mais comment tu fais ton propre. Tu marches sur le même chemin, mais avec ta personnalité. Donc, faut trouver son style à partir de ça, et puis son cheminement, et puis savoir aussi de savoir là, j'en suis là, j'en suis pas forcément au niveau de Roustan, tant pis, voilà. C'est juste que je voudrais te demander de prendre un moment pour te centrer, tout simplement, et de faire comme si Roustan était là. On va faire ça juste. C'est assez long parce que tu me laissais pas. Comment s'est fait le choix de devenir hypnothérapeute? Il s'est fait à un moment donné de ma vie où c'était un peu compliqué, je me sentais enfermé dans pas mal de choses. Je ne voyais pas trop d'issue et du coup j'ai fait une séance d'hypnose ericksonienne. J'ai ressenti que c'était très agréable. C'était très agréable et j'avais eu l'impression d'être comme si j'avais toujours pris l'habitude de regarder dans cette direction et que finalement mon champ de vision s'était ouvert.
j'ai envie de dire, c'était pas plus que ça. Mais pourquoi, pourtant, quand le champ de vision s'ouvre comme ça, le rapport à soi, le rapport à l'environnement change complètement. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et la deuxième chose, c'est parce que je me disais que le praticien, thérapeute, faisait pas grand chose. Et moi qui étais très actif, je me suis dit, ça, j'ai envie de faire ça. Voilà. C'est comme ça que, c'est, que ça a commencé. Et comment t'as. Du coup, t'es passé d'Erickson à. De la technique, et, enfin des techniques, parce qu'il y en a des milliers, de manière d'être en Ericksonien, mais. À Rostand. À la. Enfin, est-ce que tu te balades encore entre les deux ou... En fait, dans Erickson, il a pas écrit. Donc ça a été théorisé. Enfin, il a laissé des notes, mais il n'a pas théorisé sa pratique. Donc ce sont les dépositaires de son enseignement qui l'ont théorisé. Donc ça a donné pas mal de choses, mais en fait c'est très lié à la personnalité des gens qui pratiquent l'hypnose ericksonienne selon moi. Il y a des gens qui sont plus interventionnistes, et puis d'autres qui le sont moins. Après, est-ce que il y a la pratique de Roustan, c'est pas une pratique non plus qui est. C'est pas une technique, il n'y a pas d'outil en fait. C'est une question de posture, donc c'est la posture qui change. Donc oui, il y a une posture qui est un peu différente, dans le sens peut-être où justement on va être beaucoup plus à l'écoute de ce que nous on ressent que d'essayer de savoir ce que la personne ressent. Ou d'essayer de deviner ou d'interpréter ou de projeter des sortes de schémas, etc. Donc toujours revenir à ce centre-là, dire ok, je me replace, je me repose, et qu'est-ce qui se passe? Et dans cet espace-là, du coup ça crée un nouvel espace entre le patient et puis le praticien. Et à mon avis, c'est dans cet espace-là, quand le praticien choisit vraiment de se déposer, que là il y a des choses qui adviennent, il y a une liberté qui se pose et il y a aussi une créativité qui peut venir. Mais il y a besoin de la même créativité avec l'Ericksonien, j'ai envie de dire, qu'avec Roustan, en fait, il n'y a rien qui est posé dès le départ. Et c'est au-delà de l'école ericksonienne ou la démarche de Roustan, il y a une position de liberté aussi. Mais de liberté, pas avec. Pas simplement technique, avec la manière de ressentir complètement les choses, même si c'est pas très clair quand c'est dit comme ça. Mais si je vais au plus loin, ben moi mon repère en fait, c'est sans doute que je reviens à des sensations que quand j'étais petit en fait, où j'avais l'impression que mon champ de sensations était beaucoup plus large. Et qui s'est rétréci au fil des années. Et quand je retrouve ça, je me dis, ah, on est sur quelque chose de la fois plus léger, beaucoup plus large. Et je me dis, ça, c'est la bonne direction. C'est un peu mon fil rouge. Et donc, tu t'as plutôt choisi la posture Roustan en termes. Ah oui, j'ai clairement choisi cette posture. Ok, je comprends. Je l'ai clairement choisi parce que je la comprenais dans ma chair. Alors que la méthode ericksonienne, je la comprenais dans ma tête. Est-ce que tu peux me raconter les sensations que tu as éprouvées en te centrant et en invoquant la présence de l'autre? Si, c'est pas tout à l'heure, hein? Ouais. Pour moi, c'est juste une. C'est presque une métaphore. Je ne sais pas si je me mets en présence de Roustan. Quelque part, j'en fous un peu. Hein? L'idée, c'est pour moi, c'était quelqu'un de centré, quelqu'un qui était dans son ventre. Et quand tu m'as proposé ça, je me suis centré, je me suis mis dans mon ventre. Je sentais parfois mon agitation mentale qui allait à droite à gauche, et puis je laissais revenir simplement. Ok, intéressant. Tu me décris
De tes expériences ou de tes expériences depuis que tu es hypnothérapeute, qu'est-ce que tu as pu ressentir toi au contact d'une personne accompagnée et l'expérience d'une de ces personnes, si elle a, comme tu viens de le dire, en fait, avec le fauteuil hein. Mais j'ai pas de cas là qui viennent comme ça. Ce qui se passe, c'est que. Moi, c'est mon impression au départ, c'est que je m'assois à côté, en face de la personne, et puis, je souvent sens que je lui demande, elle parle de ce qui, de ce pourquoi elle vient. Et je suis très attentif, et puis en même temps, je regarde l'ensemble de la personne. Quand on regarde l'ensemble de la personne, comme ça, on voit aussi la manière dont elle respire. On voit la manière dont elle bouge, etc. Et après, il y a quelque chose, une fois que la transe commence à venir, il y a quelque chose qui pour moi, c'est plus la personne qui est intéressante. C'est-à-dire que mon regard a du mal à se fixer sur la personne, et là je me dis, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement chez elle. Mais c'est comme si mon regard, il avait du mal à la fixer, il se perdait entre l'environnement et puis la personne elle-même. Donc, des fois, ça ne veut pas dire qu'on est au bon endroit, ça veut simplement dire que, quand même, la transe est de qualité et que la personne est souvent mobile à l'intérieur pour que quelque chose se fasse. Donc, je dirais que l'expérience que j'ai le plus, c'est une expérience d'attendre qu'il y ait cette mobilité, cette fluidité qui à un moment donné se passe dans l'environnement de ce cabinet-là. Et en fait, c'est pas parce qu'on a induit une transe que ça va arriver. Ça peut arriver à chaque moment. Et du coup, l'idée, c'est quand est-ce que je vais pouvoir saisir cette chose-là, pouvoir le percevoir. Pour ne pas intervenir dessus en fait, mais pour vraiment faire en sorte que la personne aussi puisse laisser le processus se faire. Et en fait, je t'ai bien répondu parce que en fait, la question elle était liée à une autre qui est pour celles qui sont allées éprouver des choses dans le fauteuil de Roustan. Ouais. Mais en fait, c'est la. Je voulais pas mettre le mot, j'ai bien fait, c'est tant mieux. En fait. C'était la question qui revenait à dire si tu pouvais décrire une expérience de perceptude de toi, qu'est-ce que tu ressens, tu te sens dans ce champ-là, et est-ce que quelqu'un a pu te décrire cela? Oui. Avec d'autres, bien sûr. Mais c'est souvent, pour moi, c'est souvent les enfants qui m'ont décrit la perceptude, et c'est eux qui ont eu les mots les plus justes, comme de dire... J'ai un gamin qui m'a dit à peu près la même chose qu'un des patients avait dit en Roustan, je suis ici et partout à la fois, et où je suis nulle part et je suis bien. Et c'est souvent les enfants qui ont fait ces réponses aussi spontanées, tout ça. Parce que je pense qu'il y a une plasticité chez eux qui fait qu'ils ressentent tout de suite et il n'y a pas de filtre, ils le disent directement. Et je trouve que. Pour le coup, travailler avec des enfants, c'est travailler avec cette fluidité-là, et ça va très vite. S'il n'y a pas trop de problèmes dans l'environnement familial, etc., ça va super vite. Et on est direct branché vraiment sur la perceptude, pour le coup. Mais une perceptude qui peut être moins méditative ou moins comme ça, mais qui est tout aussi puissante, en fait. Et parce qu'ils sont, vraiment dans le moment et dans ce qu'ils font. Et puis en plus, pour certains, ils ont une vraie qualité d'écoute. Donc je trouve que c'est les enfants qui en parlent le mieux. C'est exactement ma question, mais bon, t'as répondu. C'était quoi la question? Bah si, c'était raconte-moi une expérience de perceptude de ton... Toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu étais dans ce champ-là? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est bon, toi. Ben, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il se passe que tu disparais à ce moment-là. Voilà, que t'es plus là, t'es plus là pour t'interroger, t'es plus là. Et en fait, t'es pris dans, quelque part, t'es pris dans la transe de l'autre. Et en même temps, tu sais pas forcément la transe de l'autre, c'est juste qu'à un moment donné, tu l'as posé comme ça. Et c'est là que ça se transforme.
Et c'est là sans doute qu'il se passe quelque chose, dans l'interaction, dans une transe générée en fait, par qui, on ne sait pas, mais en tout cas qu'on a laissé advenir, et à mon avis c'est là que quelque chose se passe. Et je me souviens, comme je te disais tout à l'heure, de l'expérience de ton patient qu'il disait à la fin de la séance. Tu peux nous raconter que l'espace était large, enfin qu'il sentait que ce cabinet était plus grand que tout à l'heure. Oui, mais ça c'est une question que je posais, que j'ai posée à un moment donné. Je le posais en début de séance, c'est de savoir comment vous décrivez-moi le cabinet. Et à la fin de la séance, je leur posais la question, décrivez-moi le cabinet. Et pour le coup, oui, la sensation, mais c'était pas toujours le cas. Mais la sensation générale, c'était de dire, bah, il est beaucoup plus grand. Et c'est pas. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était vraiment une réponse sensorielle en fait, parce qu'autrement, ça aurait pu être le mental aurait pu arrêter tout de suite ce genre de pensée, de dire c'est n'importe quoi. Et c'est direct. Maintenant, il est plus grand. Alors qu'en réalité, si la réalité, il est vraiment petit. Mais pour eux, oui, il avait l'impression qu'il était plus grand. Mais qu'est-ce qui est plus grand à ce moment-là? C'est ça la question qui est posée en fait. Mais tu sais, tu sauras la réponse. Je pense que ce qui est plus grand, c'est qu'ils étaient, ils étaient fixés sur quelque chose, qui les rapetissait en fait, qui les réduisait. Et du coup, en se connectant à la transe, pour le coup, il y a quelque chose qui s'agrandit. Mais tout peut s'agrandir en ce moment. L'ensemble des sensations, en dehors du cabinet, bien sûr, ça s'agrandit. Les odeurs peuvent être plus puissantes, les couleurs peuvent être plus puissantes. Donc les relations peuvent être plus intenses. C'est ça en fait que les gens cherchent, être en vie le plus possible. Si tu faisais une œuvre, un poème, un portrait, un dessin, avec l'esprit d'Augustin, quel trait souhaiterais-tu y voir déposé, enfin y déposer, par fidélité à son égard? Difficile. Mais il y en a qui n'étaient pas obligés d'avoir des réponses, hein. C'est une question difficile, mais il y a quelque chose qui tiendrait de l'ordre de la sobriété, parce que c'est quand même ce qui se dégage. Mais là, c'est vraiment lié à sa personnalité. Enfin, moi, j'imagine très bien une peinture chinoise, etc. Bon, après, c'est peut-être simplement mon imaginaire. Mais je trouve que ça le représenterait assez bien en fait. À la fois dans la finesse et la subtilité de certains, la vie, des couleurs qui sont pas très, qui sont un peu atténuées, enfin qui cherchent pas à se mettre en avant en fait. Et puis en même temps quelque chose de très ambigu, il y a toujours ce mélange de, je trouve chez lui, de quelque chose d'opposé, puis en même temps qui va carrément dans. Qui n'hésite pas en fait, qui rentre quoi, complètement. Si tu peux mettre un mot en boostant, un mot, deux mots, trois mots, enfin, le truc le plus évident, quoi. Le truc le plus évident. Je pense que c'est vraiment l'idée de d'être. C'est un truc qu'il a repris philosophe qui s'appelle Dogen, mais de dire vous êtes là où vous êtes en fait. Et je pense que c'est ça la base. Soyez là où vous êtes. Pas avant, pas après, mais soyez à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'on peut rien faire tant qu'on a que la personne n'est pas là où elle est. Qu'importe ses désirs, ses volontés, passées ou futures, mais il faut qu'à un moment elle revienne simplement sur la chaise ou dans la pièce ou peu importe, mais à l'endroit où elle est. Donc ça serait ça. Soyez là où vous êtes en fait, s'il y avait. Question très ouverte, de la musique, de la danse,
à l'hypnose, avec l'esprit de restauration. Lui, il aimait beaucoup la danse. La musique, il en parle moins, mais il aimait beaucoup la danse. Il en parle quand même. Bon, c'est vrai, je ne saurais pas répondre à ta question, en fait. En plus, dans la démarche, il n'y a pas volonté de canoniser une personne, en fait. Hein, ouais. C'est-à-dire que moi, je ne le connaissais pas en tant que personne. Et je me dis, c'est dommage, mais en même temps, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est son œuvre, ce que je ressens, et ce qu'il a laissé, ce qui permet aussi de continuer, de prolonger. Donc, je ne suis pas en train de chercher, je ne suis pas un fan absolu de Roustan, de sa vie, etc. Mmh. Même si j'admire beaucoup le bonhomme. Justement, j'avais une question à la fin. C'était lié à ça, c'est-à-dire, je dis, bon, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de faire un film connaissant ses appétences à la disparition, et à l'effacement de l'ego? C'est un peu absurde, enfin, c'est pas absurde, mais c'est limite infidèle, quoi, justement. Je pense pas, en fait, dans le sens où. Où justement, à mon avis, ce qu'il voulait, c'est pas que le bonhomme soit mis en avant, mais par contre que son travail le soit. Et on retrouve ça chez toutes les personnes qui ont une démarche aussi spirituelle, etc. On leur demande pas de. Ils n'ont pas envie d'être sur le devant de la scène, mais par contre, qu'il y ait la continuation de quelque chose, je pense pas qu'il aurait renié cette idée-là, pas du tout. Donc. Puis, d'après ce que j'en sais, il se faisait pas forcément prier pour répondre aussi à des interviews quand on l'invitait. Non, moi, je pense que c'est quelque chose auquel il aurait pu être attaché. Ce qui est particulier aussi, c'est que chez lui, il y a une forme d'indépendance qui est un petit peu presque pathologique, parce que il a toujours. Il ne s'avoue pas forcément de maître dans son. Il reconnaît que des personnalités l'ont influencé, mais il a toujours tout balayé, en fait. Et dans la continuité d'un enseignement, il y a aussi. Qui se prolonge. Il se prolonge aussi parce qu'on accepte à un moment donné d'avoir prolongé quelque chose nous-mêmes. On prolonge un enseignement, c'est ce qu'on retrouve dans les voies spirituelles classiques, c'est-à-dire parce que. On nous a donné un enseignement, ben on accepte de le transmettre. Et c'est ça, c'est pas nous en tant qu'ego qui le transmettons, mais c'est de choses qu'on se transmet. Donc c'est plus facile à accepter. Peut-être que lui, dans ce cheminement qui était tellement en rupture, il n'avait pas forcément ce truc-là. Puis en même temps, de me dire merde, c'est pas mal. Toi, finalement, t'as pas appris dans son cabinet comme la plupart des gens. Chaque fois que je. Enfin, je sais pas, ils ont appris juste en sa supervision, quoi. Mais du coup, c'est par Bernard que c'est passé ? Ça s'est joué comment ? Bernard s'est passé, il m'a donné beaucoup de clés, et puis. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que. En fait, ce que Roustan permet, c'est de se connecter à ce truc qu'on a déjà, en fait. Donc, c'est plutôt ce qu'a permis Bernard, c'est de dire bah oui, vas-y, t'es au bon endroit, en fait. Des fois, on a besoin de cette petite tape dans le dos qui dit bah si là, c'est bon, vas-y, c'est ça en fait. Parce que la plupart des gens vont dans l'autre sens quand même. Et ce que moi je pouvais ressentir, bah on m'envoyait que c'était pas bon, hein, quand j'ai commencé à apprendre l'hypnose. Alors peut-être que ça ne l'était pas, mais je pense que le chemin, en tout cas la sensibilité que j'avais par rapport à ça, c'était précieux, en fait. Parce qu'on fait avec ce qu'on est, simplement. Et on fait pas avec des outils, avec des méthodes et des machins, même s'il faut les acquérir, hein, ça c'est clair. Donc oui, je pense que ça a été un encouragement à continuer une voie, avec des apports aussi, mais principalement un encouragement. Oui, tu n'étais pas son patient, par exemple. Non. Non. C'était pas ton superviseur non plus. Non. Vous avez dialogué quoi? Avec Bernard? Ouais. Ouais. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'avais appelé, il m'avait fait la séance de
Donc ça dure 2 jours, je crois, un jour. À l'époque, il faisait comme ça, c'était un jour de formation. Et je l'ai pas revu pendant 6 mois, et je l'ai appelé, et puis il m'a dit, ah bah j'attendais ton téléphone. Et du coup, il m'a dit, bah si tu veux, je peux te proposer quelque chose, etc. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, et ça s'est arrêté là au niveau de la formation. Il m'a dit liberté, quoi, le mot. Ce que tu disais juste avant Ah oui. de répondre à la question dernière. Oui, liberté. C'est pour ça que je pose une question ouverte. Comment décris-tu cet invisible? Alors, en fait, j'essaye d'invoquer un esprit qui n'est plus là, enfin une présence, mais en fait, c'est la présence des autres qui va se dégager, forcément. Alors, je ne sais pas, on verra à l'image des fois, on a des surprises. Je parle de l'au-delà presque, tu vois, je sais pas, je laisse ouvert, je veux pas trop. Non, c'est simplement que. Après, c'est présupposer que, en fait, que tout est là, en fait, que la personne sait pourquoi elle vient, et que l'intuition, c'est d'aller. Simplement aller chercher les informations que te donne la personne, parce que de par sa présence, elle les rend disponibles. Je ne sais pas profondément ce que c'est que l'intuition. Ce que je sais simplement, c'est que si tu commences à chercher, à réfléchir, etc., ça ne fonctionne pas, il n'y a plus rien qui vient. Donc l'intuition, elle marche avec les sens et elle marche avec la spontanéité. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre dans un espace de ressenti, et plus l'espace de ressenti sera posé et sera fortement posé, plus l'intuition a des chances de surgir, et elle ne fait pas toujours mouche. Mais c'est un outil en fait. C'est un outil qui doit s'aiguiser dans le sens où on ne doit pas se blâmer parfois de ne pas réussir. Et on doit être complètement neutre avec ça. C'est-à-dire que il y a parfois des propositions qui sont faites qui sont pas justes, c'est complètement à côté de la plaque, mais tout ça c'est ok. À chaque fois qu'on va faire, on va être trop tendu sur sa propre intuition, en fait elle va se barrer. Donc le seul moyen c'est de se foutre en fait complètement possible le résultat, en sachant sans doute qu'il n'y a pas de vérité, et que de toute façon, si on se débarrasse de l'idée que les choses sont vraies ou que les choses sont fausses, on est peut-être dans un endroit qui est correct. En fait, du coup, en t'écoutant, je repensais à la... je t'écoutais comme... Mais je pensais à la réponse de Bernard sur la musique et la danse, à l'émeute. Elle parlait de l'artiste, en fait. C'est pour ça qu'il parle souvent de, selon lui, hein, que l'artiste se laisse traverser, l'intuition de l'artiste. Enfin, moi qui suis à cette place-là, souvent. Je me suis souvent, après coup, tu dis, enfin, tu vois qu'il y a eu un truc d'intuition, que et tu te laisses complètement. C'est pas. Y a quand même, c'est un peu pareil, quoi. Tu as la même dissolution dans le geste artistique. Il y a aussi une maîtrise, bien sûr. Derrière, comme dans l'épouse, un cadre, tout. Ben ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai eu je voulais être plasticien hein, plus jeune. Et pour le coup, je me suis enfermé dans mon truc, et j'ai échoué dans cette tentative de l'être. Et j'ai retrouvé le plaisir de l'art plastique avec ma fille, en fait, parce que je sentais qu'elle n'avait aucun jugement sur sa production, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, je peux aussi n'avoir aucun jugement sur ma propre production, aucun jugement esthétique, même pas penser, c'est beau, c'est bien, ça fonctionne pas, etc. Et à partir de ce moment-là, tu produis les choses autrement. C'est-à-dire que à la fois tu aiguises ton œil et un certain savoir-faire, mais tu le fais effectivement après ça. Au départ, t'es plus dans, tu laisses aller effectivement. Et c'est là que tu t'aperçois aussi qu'il y a plein de
que le geste est très sclérosé en fait, et qu'il est très difficile en fait de le sortir de l'ornière. Et qu'en fait ça revient très vite. Et qu'à chaque fois que quelque chose fonctionne, c'est parce qu'il y a eu un accident. Quelque part. Ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en toi quand une personne rentre dans ton cabinet? J'ai. Houston me disait, je me sens agressé. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, il est super honnête. Je sais pas si je suis capable d'avoir d'être autant honnête. Mais je pense qu'il le disait d'une manière qui voulait dire, bah en fait, je suis dans mon monde et à chaque fois que quelqu'un vient, mon monde, il est complètement, il est pulvérisé quelque part. Non. J'ai envie de dire, à chaque fois que quelqu'un rentre, je suis heureux. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui se passe? À savoir, bah oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de. Parce que si on est vraiment à l'écoute, tout change à ce moment-là. Tout a commencé à changer. L'interaction a commencé à se produire, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein de couches. Il y a une couche, effectivement, de contentement, etc. Et puis, il y a peut-être une couche profonde aussi qui est de dire, mais, ah, il y a un truc qui est déjà en train de se passer. Et du coup, recentre-toi, parce que c'est ce qu'on te demande, c'est ton job, en fait. Ouais, est-ce que tu as autre chose d'essentiel à exprimer dans ce film? Je sais pas, peut-être que dans 10 ans, et j'espère que je me regarderai, je me dis, finalement t'avais pas compris grand-chose, ou t'avais pas senti grand-chose. Peut-être qu'on me dirait ça. Mais c'est pas la profonde, et en même temps c'est pas l'approfondissement de quelque chose. C'est peut-être même simplement revenir à la surface de quelque chose. C'est-à-dire peut-être qu'être plus vivant, c'est plus ressentir, c'est plus se ressentir et être encore plus à la surface, alors qu'on voudrait absolument être dans les profondeurs. Mais s'ancrer, se centrer, c'est pas forcément aller dans les profondeurs. C'est pas mal ça. Beau, beau! Ah, petite petite citation note, sur oui, ton site ça. internet. Non mais c'est vrai, il y a vraiment ce truc-là, parce qu'il y a, y a souvent on se dit, il y a une sorte d'introspection, machin, mais bon, l'introspection, on a rien à foutre. Plonger là. Ouais, plonger, tout ça, mais non, je pense pas en fait. Tout est là et tout est. C'est la surface. C'est la surface qui est profonde. C'est tout. Mais c'est vraiment la surface qui compte. Et justement, on met trop de profondeur et on met de la profondeur avec les mots et les Qu'est-ce que tu appelles concepts. surface? La surface, c'est. C'est simplement de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Le plus possible en fait, avec le moins de filtres possible. C'est vraiment de la surface. Sans projection. Sans projection, sans tout ce qu'on met entre nous et les gens. Et sans. Ouais, du coup, il dit, je sais plus la phrase, tu vois, mais c'est l'idée que la vidéo disparaît et que le fond apparaît à la place. Du coup, c'est comme si à la Il dit le surface. contraire de ce que j'ai dit, c'est ça? Non, 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 ça. Non, pour moi, Ah oui. c'est cohérent. Enfin, ça se rejoint. En fait, le fond vient dans la figure, quoi. À la place de la figure. Et donc, en Il dit fait, c'est une ça? forme de dissolution. Quand tu es là au moment présent, finalement, tu t'en fous de qui tu es. Ah, tu plonges, là, puis prends ton tête, mon passé, ceci, cela, dans ce poste de fait. Il y a un truc, non? C'est validé. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais oui, je sais pas. En fait, en gros, je sais pas trop. En fait, quoi? En gros, je sais pas trop. Ouais. Non, mais il y a un truc avec ça.
Et ben en fait, j'ai cru que la photo, elle descendait jusqu'en bas. Dans mon souvenir, elle était immense, mais immense quoi. J'imaginais qu'elle prenait Oui. tout le mur sous la lumière. C'est marrant. Et à chaque fois que je pars, je me dis, tiens, j'ai encore pas parlé de cette photo à Fred. Et elle prend beaucoup de place, non, en fait. Enfin, j'aime bien. Elle est très, très belle. C'est qui? Tu C'est ma fille à gauche. sais. Ah, ok. Et c'est Ranjit Maharaj qui était co-disciple de Nisargadatta. Je connais pas Nisargadatta. Il a fait quoi? Nisargadatta, c'était un maître de l'Advaita Vedanta. Et puis. Et du coup, j'ai suivi son enseignement à lui jusqu'à sa mort. Ah ouais. Quand ma fille était. Longtemps quoi. Non, pas longtemps, parce que c'est tout, mais. Ouais. Ça s'est allongé. Mais suffisamment. Je pense. Enfin, j'espère. C'est universel. Oui, enfin, de toute façon, tout est en lien. Tout ce que je fais, c'est en lien. Mais. Si tu veux t'intéresser. Lui, il a. De toute façon, il n'a pas écrit. Il n'y avait que des conférences en fait qui sont disponibles, qui ont été traduites. Ouais, il y a un bouquin. On a plusieurs, ouais. Attends. Et autrement, tu peux lire Nisargadatta. C'est lui. Ni ceci, ni cela. Je peux te prêter si tu Ouais, un livre de plus. Voilà. En anglais? Non, c'est en Ah oui, français. super, génial.